Alléluia, alléluia. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer notre live d'aujourd'hui. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Shalom Kadidia, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Là vous me voyez maintenant? Alléluia, là vous me voyez maintenant, c'est bon? C'est bon maintenant, merci. Merci, 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 merci. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce temps que tu nous accordes. Est-ce qu'on peut inviter, s'il vous plaît? Inviter des amis, inviter, inviter, inviter. Inviter, 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 s'il vous plaît. Alléluia. Inviter. Inviter, inviter des amis, s'il vous plaît. Merci d'inviter. Commente au moins à 15 pour commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Shalom, Luna. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci, merci, merci. Shalom, Maman Albertine. Shalom, shalom. Amen. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Je vais juste régler un petit truc là et c'est bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Sois béni notre Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci toi qui nous gardes Seigneur, toi qui nous accordes ta grâce d'être encore en vie. Car beaucoup de personnes ne sont plus de ce monde, mais toi, tu as permis que nous puissions encore être de ce monde. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te magnifions. Alléluia. Merci Seigneur, nous allons commencer. Merci Seigneur, nous allons commencer. Alléluia. Juste un peu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous as accordé encore dans ta présence. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas, Seigneur, un acquis pour nous, mais c'est une grâce, Seigneur, qui vient de toi. Merci pour ta grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver encore dans ta présence. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois exalté, toi, le roi de gloire. Sois loué, toi, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Alléluia, le Père des Lumières, le Père des Esprits. Nous te bénissons et te laissons la place. Saint-Esprit, nous disons que tu prennes toute la place maintenant. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place et que tu règnes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre 8e jour de jeûne et prière. Et ça sera un live un tout petit peu spécial où nous allons vraiment, nous allons prier, nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer, nous allons célébrer son nom parce qu'il nous fait du bien depuis 8 jours, il nous fait du bien. Nous voulons
l'exalter et le louer. J'espère que le son est bon. Si le son est bon, bonjour, bonne mine et lumière. Si le son est bon, faites-moi juste un petit signe. Juste un petit signe, s'il vous plaît, si le son il est bon. Alléluia, j'espère que le son il est bon. Donc, nous allons commencer. Alléluia. Le thème de notre jeûne, c'est Jérémie 1, 9, 10. Qui dit tout simplement, Jérémie 1, 9, 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. L'Éternel établit Jérémie. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, Jérémie, c'est toi. Il t'établit, toi, à arracher, à abattre, à ruiner, à détruire, à bâtir et à planter. Amen. À bâtir et à planter. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous devons vraiment confesser la parole. Nous sommes dans un temps où nous devons démontrer la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement être dans les discours de persuasion. Nous ne pouvons pas seulement être dans des discours persuasifs, mais nous devons maintenant passer à une étape où nous démontrons la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu, il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Je vous assure, il est tout puissant et il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Le mystère ici, c'est qu'il dit à Jérémie, il dit à Jérémie, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. En fait, les paroles que toi tu vas dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de toi. Non, ce sont des paroles qui seront inspirées du Saint-Esprit. Ce sont les paroles qui vont venir de l'Éternel. Il va mettre ses paroles, dans ta bouche. Alléluia. C'est lui qui va inspirer les pensées de ton cœur et les paroles de ta bouche. Alléluia. Même quand on prie, nous devons désirer que le Saint-Esprit puisse inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. N'est-ce pas lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables? Donc le Saint-Esprit intercède mieux que tout ce qu'on peut faire. Amen. Le Saint-Esprit intercède mieux que tout ce qu'on peut dire. Le Saint-Esprit intercède mieux que nous. C'est pour ça que nous devons toujours lui laisser toute la place pour qu'il puisse nous donner les paroles. Alléluia. Les paroles. Il a dit à Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Nous avons le cas de Moïse. Moïse, quand on lui a dit d'aller chez Pharaon, il avait peur. Quand il avait peur, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il lui dit, parce qu'il avait peur. Il lui a dit, qui a créé la bouche? Qui a fait la bouche? Qui rend muet? Alléluia. Qui rend sourd? Qui rend aveugle? Alléluia. C'est lui qui nous donne ses paroles. Le mystère, il est là. La prière efficace est celle où le Saint-Esprit te donne ses paroles. Il faut toujours soupirer à avoir les paroles qui viennent du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons toujours dépendre totalement du Saint-Esprit et non venir avec nos propres capacités, venir avec nos propres forces. Amen. Nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans Job 22, 28, il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Et il dit encore, sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire ce que toi tu vas décider, sur ce que toi tu vas décider, il y aura le succès. Mais tu dois te décider en fait à décider. Tu dois te décider à décréter, tu dois te décider à déclarer, tu dois te décider à arracher, tu dois te décider à abattre. Il y a d'autres personnes qui sont là dans leur situation, elles ne changent pas, mais ils préfèrent subir. Ils préfèrent rester là, à attendre, à dire, oh, le Seigneur m'a abandonné. Mais non, il a mis ses paroles dans ta bouche. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu puisses arracher, pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses ruiner. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il a dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Alléluia. Les nations et les royaumes représentent toutes les dominations qui peuvent être sur toi.
Parce que sur une vie, il peut y avoir des dominations. Il peut y avoir des principautés. Il peut y avoir des, en fait, il peut y avoir des démons qui exercent ministère sur toi. Qui viennent exercer des rapports en fait négatifs sur toi. Qui viennent faire des choses négatives sur toi. Alléluia. Mais si toi, tu ne prends pas la décision d'arracher, si tu ne prends pas la décision de détruire, si tu ne prends pas la décision d'abattre, ils vont continuer à être là. Ils vont continuer à être là. Alléluia. Parce que sur chaque personne, il y a comme une domination. C'est pour cela que vous allez remarquer, sur une personne, il y a comme un trait de caractère qui sort tout le temps. Une personne qui détruit partout, elle passe, elle détruit. Elle a une domination satanique sur elle. Parce qu'à chaque fois, ça revient. Alléluia. À chaque fois, ça revient. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, se poser et prendre conscience, se dire, mais quelle est l'activité satanique qui se fait sur moi? Quelles sont les activités maléfiques qui sont en train de se faire sur moi? Pourquoi est-ce que telle chose revient toujours? Pourquoi est-ce que telle oppression revient toujours? Pourquoi est-ce que ce trait de caractère revient toujours? Pourquoi est-ce que ce péché revient toujours? Tu dois te lever et commencer à déclarer. Je relis encore Job 22-28. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Si tu parles, si tu déclares, si tu décrètes, il y aura le succès. Et on dit, sur tes sentiers, il y aura la lumière. Alors quand toi, tu vas prendre des résolutions, alors sur ton sentier, va commencer à briller la lumière. C'est très important. Alléluia. Très important. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est très très important. Très important à comprendre. C'est pour cela que nous allons rentrer dans un petit moment de célébration où nous allons adorer, où nous allons prier, où nous allons décréter, où nous allons déclarer des choses pour que ces choses-là puissent être la réalité dans nos vies. Alléluia. Pour que cela soit la réalité. La Bible dit dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit et elle fut. De la même manière, toi aussi, quand tu vas dire des choses à tes résolutions, la lumière aussi va apparaître. Alléluia, la lumière va apparaître. C'est juste à toi de prendre la décision de dire maintenant, assez, il faut que je me lève, il faut que ça change. Maintenant, assez, j'en ai marre de subir, il faut que ça change. Alléluia. Nous passons des temps extraordinaires dans la prière à 4h30 du matin et à 17h30. Je vous assure, c'est puissant, c'est vraiment glorieux. Et s'il y a une personne qui veut vraiment rentrer dans cette gloire, je vous invite vraiment à nous rejoindre à 4h du matin et à 17h30 sur la ligne de prière. À 4h30 du matin, pardon, et à 17h30. Nous passons des temps extraordinaires. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare que louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que tu peux louer l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est par sa bonté que tu vis? Alléluia. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elle se renouvelle chaque matin. Bien aimé, en fait, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, c'est une nouvelle bonté. Alléluia. Souvenez-vous de la manne. La manne, elle, quand elle dormait, elle ne la mangeait plus. Chaque matin, c'est une nouvelle bonté. Ce n'est pas la bonté d'hier, c'est une nouvelle bonté. C'est une nouvelle grâce, c'est une nouvelle faveur. Alléluia. Est-ce que toi, là où tu es, tu peux dire merci Seigneur pour ta bonté, pour tes bontés qui se sont renouvelées pour moi ce jour, pour tes bontés qui se sont renouvelées pour moi, Seigneur, ce matin, pour tes bontés qui ont continué à se manifester dans ma vie encore cette nuit. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel là où tu es? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble? Là où toi tu es, tu célèbres. Là où moi je suis, je célèbre et on célèbre ensemble. Alléluia. Ô tendre Père, nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons, Seigneur, car nous reconnaissons, Seigneur, que tes bontés ne sont point épuisées pour nous. Seigneur, si nous sommes en vie et que si nous sommes encore là, c'est parce que, Seigneur,
tes bontés se sont renouvelées. Seigneur, le fait même d'être assise là, d'être connectée, Seigneur, cela montre que, Seigneur, ta bonté a été exercée dans notre vie. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, toi le roi de gloire, nous te célébrons, toi le Seigneur des seigneurs, nous te célébrons, toi le Tout-Puissant, toi qui es élevé au-dessus de tout, alléluia, toi qui es le Dieu des dieux, alléluia, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Nous bénissons ton nom ce soir, nous célébrons ton nom ce soir, nous célébrons, alléluia, ta renommée ce soir, nous célébrons, alléluia, ta puissance ce soir, car tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Nul n'est comme toi, nul n'est glorieux comme toi, nul n'est puissant comme toi. Alléluia. On pourrait rassembler tous les minerais de ce monde, mais rien ne pourrait se comparer à ta beauté, car tu es glorieux et grand. Alléluia. Tu connais toutes choses. Petits et grands, c'est toi qui les as faites. Alléluia. Il n'y a point de secret devant toi. Tu connais même le nombre de nos cheveux. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te louons. Toi, le maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Quand nous regardons le ciel et quand nous contemplons la terre, nous voyons ta grandeur et ta gloire. Nous voyons ta grandeur qui est insondable. Nous voyons ta grandeur qui est insondable. Raison pour laquelle les scientifiques continuent à creuser. Les scientifiques continuent à chercher. Car ta sagesse est tellement infinie qu'on ne peut pas arriver à bout de cette sagesse. Ta sagesse est tellement grande qu'on ne peut pas la contourner. Ta sagesse est tellement grande qu'on ne peut pas la surmonter. Ta sagesse est tellement grande qu'on ne peut pas la mesurer. Tu es grand et puissant. À chaque fois que l'homme croira être à la perfection, il se rendra compte qu'il y a encore une autre perfection que celle qu'il a trouvée. Alléluia. Parce que tu es bon et puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, toi le maître de l'univers. Alléluia. Célèbre l'Éternel, célèbre l'Éternel, célèbre l'Éternel, mon ami, célèbre l'Éternel. Célèbre-le. Alléluia. Célèbre-le. Alléluia. Célèbre-le. Aie le cœur d'avoir soif de lui. Aie le cœur d'avoir faim de lui. Cherche-le. Célèbre-le. Alléluia. Glorifie-le. Vous savez, même quand tu sors dehors et que tu regardes juste le ciel bleu et que tu regardes juste les arbres, tu commences à contempler. Vous savez, prier, ce n'est pas seulement parler comme je parle là. Non, prier, c'est aussi contempler, méditer. David parle de la contemplation. Dans cette génération, nous sommes plus des fois dans les paroles. Nous parlons, mais nous ne contemplons pas Dieu. Nous ne prenons pas le temps de contempler sa gloire. Où tu restes un peu au calme et tu regardes, tu dis oui, ça c'est mon Dieu qui a fait. Oui, tu dis Seigneur, quelle infinie grandeur, quelle infinie sagesse. Alléluia, célèbre-le, alléluia, célèbre-le, alléluia. Célèbre ton Dieu, il est puissant et glorieux. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. La Bible dit dans le psaume 139 à partir du verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Alléluia. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur que tu me connais. Tu vas lui dire qu'il te connaît mieux que toi-même. En fait, tu vas te livrer totalement. Dire, Seigneur, je ne peux rien, tu me connais tellement, tu me connais. Adore-le, célèbre-le en lui disant qu'il te connaît mieux que toi-même. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Avant même que la pensée ne monte dans ton cœur, en fait, il la connaît déjà. Alléluia. Car il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Dis-lui que tu me connais, ô Éternel. Éternel, Seigneur, nous venons encore ce soir te dire, Seigneur, tu nous connais. Nous sommes faibles devant toi, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faibles comme des faibles plantes. Prends-nous comme des faibles plantes, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, tellement petit, tu nous connais. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as créé. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Tu connais nos pensées, tu sondes, Seigneur, les profondeurs de nos pensées. Avant même que, Seigneur, nous soyons dans le ventre de nos mères, tu nous connaissais, Seigneur. Avant même que nous soyons conçus, tu nous connaissais, Seigneur. Avant même que nous soyons manifestés sur la terre, tu nous connaissais, Seigneur, alléluia. Tu sais quand je m'assieds,
Tu sais quand je me lève. En fait, rien n'est caché devant toi. Raison pour laquelle je viens te dire, Seigneur, que je me livre totalement. Je viens te dire, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Car tu me connais, Seigneur, à qui irai-je encore? Pierre a dit, à qui irons-nous encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous disons que toi, tu as les paroles de la vie ce soir. Seigneur, la vie n'est pas dans l'argent. La vie n'est pas dans les biens matériels. La vie n'est pas dans une religion. Mais la vie est en toi, Christ Jésus. C'est toi qui donnes la vie. Et tu la donnes en abondance, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie. Raison pour laquelle nous venons, Seigneur, à toi. Nous venons nous confier à toi. Nous venons, Seigneur, nous livrer à toi. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi. Seigneur, comme des enfants, nous disons, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Dis-lui, en fait, qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Dis-lui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, ce que tu feras de moi est meilleur que ce qu'un homme peut faire de moi. Ce que tu feras de moi est meilleur que ce qu'un homme va faire de moi. Ce que tu me donneras est meilleur que ce qu'un homme peut me donner. Parce qu'un homme peut me donner aujourd'hui et demain venir dire que c'est lui qui m'a donné. Un homme peut me donner aujourd'hui et demain me ravir ce qu'il m'avait donné. Mais toi, Seigneur, quand tu donnes en abondance. Alléluia. Quand toi tu donnes en puissance, Seigneur. Je viens me livrer totalement. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, en fait, je préfère être avec toi, même une minute, que d'être 1000 minutes ailleurs. Alléluia. Je préfère être même une journée avec toi, que de passer 1000 journées ailleurs. Parce qu'avec toi, Seigneur, je vais avoir ce que je veux avoir en une journée, ce que j'aurais eu en 1000 jours ailleurs. Seigneur. Ta présence est toujours bénéfique pour moi. Dis-lui, sa présence est bénéfique pour toi. Sa présence est bénéfique pour toi. Car sa présence, en fait, te procure la sagesse. Sa présence te procure l'intelligence. Sa présence te procure la force. Alléluia. Devant tes ennemis, il dresse une table. Mon ami, ne pleure pas. Quand les ennemis viennent t'oppresser, quand les ennemis viennent te chercher des problèmes, ne crains pas. Car devant eux, ils dressent une table. Ils dressent une table et ta coupe déborde devant tes ennemis. Alléluia. Ils dressent une table et ta coupe déborde. En fait, j'aimerais te dire, quand tu as des ennemis, ne les fuis pas. Ne les fuis pas. Sois devant eux. Pourquoi? Parce que l'Éternel dresse une table devant eux. L'Éternel dresse une table et ta coupe va déborder devant eux. Pas derrière, ne fuis jamais. Ne fuis pas. Quand l'ennemi est devant toi et qu'il veut te poignarder en face, mets-toi bien comme ça. Mets-toi bien comme ça. Dis-toi que devant, il y a une table qui est dressée. Et cette personne, ces esprits verront ta coupe déborder. Alléluia. Ta coupe va déborder car il dresse une table devant tes ennemis. Alléluia. Il fait déborder ta coupe. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, que ma coupe déborde. Devant mes ennemis, que ma coupe déborde. J'aimerais te dire une chose, que quand tu es dans le péché ou quand tu tombes, quand tu as des faiblesses ou des difficultés, l'homme charnel regarde et t'identifie par tes faiblesses. L'homme charnel regarde et t'identifie par le péché. L'homme charnel regarde et t'identifie là où tu étais tombé. J'aimerais te dire que Dieu ne regarde pas là où tu es tombé. Dieu regarde là où tu vas arriver. Jésus-Christ n'a que faire de ton passé. Il veut te voir là où tu vas arriver. Il veut te voir devant. Il veut te voir devant. Il veut pas te voir en arrière. En fait, arrête de penser à tout ce qui était passé. Alléluia. Arrête de penser dans le nom de Jésus. Arrête de penser à tout ce qui était passé. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Car les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Alléluia. L'homme regarde toujours. L'homme regarde toujours à ce que tu as fait, là où tu étais tombé. Mais le Seigneur Jésus te voit là où tu dois arriver. Il est devant. Il est en train de t'attendre. Alléluia. Il est comme ce père qui attendait son fils qui était parti. Il t'attend. Mais l'homme charnel, les hommes, les ennemis de ta vie vont regarder là où tu étais. Ils vont dire, oh, n'est-ce pas lui le fils de Marie? N'est-ce pas lui le charpentier? N'est-ce pas lui? Mais Jésus-Christ te dit, il va faire de toi une nouvelle créature. Il va faire de toi une autre personne. Il va te donner une autre identité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Alléluia. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci que... Alléluia. La Bible dit ceci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit ceci que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Amen. Alléluia. L'Éternel les délivra de leur angoisse. Quand tu es dans la détresse, crie à l'Éternel, il te délivre de tes angoisses. Quand tu es dans la détresse, prends le temps de crier à l'Éternel. Ne reste pas cloîtré dans ta détresse. Ne te dis pas, il m'a abandonné. Il n'abandonne personne, mon ami. Alléluia. Ne dis pas, il m'a abandonné. Ne dis pas, il m'a abandonné. Il n'abandonne personne. Quand tu es dans la détresse, invoque l'Éternel. Alléluia. Quand tu es dans la détresse, crie à l'Éternel. Alléluia. Il viendra combattre pour toi. Amen. Alléluia. Si là où tu es dans la détresse, tu vas maintenant invoquer. Tu vas invoquer le secours de la main de l'Éternel. Tu vas invoquer la délivrance sur ta vie. Tu vas invoquer un manteau de délivrance sur ta vie. Tu vas invoquer un manteau de grâce sur ta vie. Tu vas invoquer un manteau de faveur sur ta vie. Alléluia. Un nouveau manteau. Alléluia. Joseph, son manteau a été déchiré. Son manteau a été sali par ses frères. Mais quand il est parti, à un moment donné, il a retrouvé un autre manteau. Alléluia. Il a retrouvé un autre manteau. Qu'on puisse te revêtir du manteau de la délivrance. Qu'on puisse te revêtir du manteau, alléluia, de la grâce et de la faveur. Alléluia, crie à l'Éternel. Là où tu as la détresse, là où tu as des difficultés, crie à l'Éternel. Alléluia, prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous venons devant toi, Seigneur. Toi, tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos pleurs. Tu sais ce qui nous fait pleurer la nuit. Tu connais, Seigneur, ce qui fait, Seigneur, saigner notre cœur. Nous te prions, Seigneur, de venir au secours. Viens au secours d'une personne connectée maintenant. Viens au secours d'une femme connectée maintenant. Celle qui cherche ton secours, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur, viens délivrer. Viens les délivrer de leur angoisse, Seigneur. Viens les délivrer de leurs pleurs, mon Dieu, mon roi. Viens et interviens. Seigneur, que ton manteau de délivrance soit dans la vie d'une personne. Que ton manteau, Seigneur, de faveur soit dans la vie d'une personne. Que ton manteau de grâce soit dans la vie d'une personne maintenant. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir. Je te prie, Éternel, d'étendre ta main. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit, ni son oreille trop dure pour entendre nos supplications ou pour entendre nos prières. Mais ce sont nos péchés qui empêchent en fait la main de l'Éternel d'agir. Alléluia. Invoque le Seigneur, il te connaît, il te connaît, alléluia. Un jour, il m'a dit, je connais toutes choses. Petits et grands, c'est moi qui les a faites. Je vous assure, cette phrase-là, je l'avais reçue audiblement comme ça. Et un jour, je feuilletais une Bible et je vois cette même phrase dans cette Bible-là. Je dis, Seigneur, mon Dieu, waouh, je vous assure qu'il connaît toutes choses. Il connaît votre situation. Il n'y a rien qui est étranger à Dieu. Il n'y a rien qui est étonnant pour Dieu. En fait, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à toi. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de toute possibilité. Il ne connaît pas le mot impossibilité. Il ne connaît pas le mot difficile. Il ne connaît pas le mot compliqué. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossibilité. Il est le Dieu de toute possibilité. Là où on dit que c'est impossible, lui dit que c'est possible. Alléluia. Là où on dit que toi tu es malade, lui il dit que tu es guéri. Alléluia. Là où on dit que tout est mort en toi, on dit qu'il y a la mort. Lui il vient et dit non, il y a la vie. Alléluia. Là où on dit qu'il y a des ossements desséchés, tout est sec, tout est dispersé. Lui il vient, il dit c'est une armée nombreuse. Alléluia. Il dit, il voit dans ses ossements desséchés des nerfs, il voit dans ses ossements desséchés des os, il voit dans ses ossements desséchés de la chair, il va en faire une armée nombreuse. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Alléluia. Laisse les personnes te ternir ta réputation. Laisse les personnes se moquer de toi. Laisse les personnes se moquer parce qu'ils voient que c'est une vallée des ossements desséchés. Mais sache une chose, que l'Éternel est celui qui fait en sorte que cette vallée des ossements desséchés puisse devenir une grande armée. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Supplie-le sur ta situation. Allez, invoque l'Éternel sur ta situation. C'est le moment maintenant. Invoque l'Éternel sur ta situation. Ne regarde pas que c'est Internet. Non.
Ne regarde pas que c'est Facebook. Je vous assure que c'est au-delà de Facebook. Parce que lui, pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de Facebook. Pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin d'un avion pour arriver là où tu es. Alléluia. Il est omniprésent. De la même manière qu'il est ici chez moi dans ma maison, de la même manière il est chez toi. De la même manière sa main touche une personne maintenant, de la même manière sa main te touche toi. Alléluia. Supplie-le sur ta situation. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous venons te confier nos situations. Nous venons te confier nos maladies. Nous venons te confier nos problèmes. Nous venons te confier nos oppressions. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous soupirons de tout notre cœur, Seigneur, derrière ce repos. Nous avons besoin de ton repos. Seigneur, regarde les oppressions. Regarde, Seigneur, comment nous pleurons sur notre couche la nuit. Regarde comment, Seigneur, les ennemis de nos vies, Seigneur, nous fixent du doigt, Seigneur, nous pointent du doigt. Seigneur, regarde comment on est humilié. Regarde comment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, on est insulté. Regarde comment, Seigneur, on est moqué. Mais Père, toi, tu es fort, tu es puissant, tu es grand. Et Seigneur, tu es vivant, tu es un Dieu vivant. Seigneur, interviens dans notre situation. Alléluia. Interviens dans notre situation. Toi, tu écoutes les prières et tous les hommes viendront à toi. Prête l'oreille à notre supplication cette nuit. Prête l'oreille à notre supplication ce soir. Seigneur, agis maintenant dans la vie d'une personne. S'il y a une personne qui est malade maintenant, toi qui es l'omniprésent, Seigneur, touche-la maintenant afin qu'elle puisse recevoir sa guérison dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Car Seigneur, tu as dit Seigneur, que nous puissions imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, tu es tellement grand que je n'ai pas besoin d'imposer la main à quelqu'un. Mais Seigneur, le fait que je parle comme ça, le souffle qui sort de ma bouche, Seigneur, se joint au souffle du Saint-Esprit et Seigneur, ça touche cette personne maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui fais des miracles, Seigneur, extraordinaires, qui fais en sorte qu'une personne qui est à l'hôpital puisse voir peut-être la prophétesse, toi qui fais qu'une personne qui est à l'hôpital puisse me voir là-bas, mais je ne suis même pas partie là-bas, tu es capable de faire aussi des grandes choses, Seigneur, maintenant, même à travers cet écran, Seigneur. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Seigneur, quelqu'un t'invoque maintenant. Entends le cri d'une personne maintenant. Entends la voix, Seigneur, de ce frère qui est malade. Entends la voix, mon Dieu, de cette sœur qui est malade. Entends la voix, Seigneur, de cette sœur qui est oppressée. Seigneur, elle ne dort pas, elle est oppressée chaque nuit. Seigneur, maintenant, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Regarde comment l'ennemi poursuit l'âme, Seigneur, de mon frère. Regarde comment l'ennemi poursuit l'âme de ma sœur. Et il veut, Seigneur, fouler sa vie à terre. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Regarde comment mon frère commence à habiter les ténèbres. Seigneur, fais en sorte que la lumière puisse luire. Fais en sorte que la lumière puisse luire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, maintenant, que ta parole puisse guérir une personne maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Alléluia. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Tu es glorieux et puissant. Ta puissance est vivante. Ta puissance est véridique. Seigneur, ton souffle, Seigneur, guérit. Ton souffle libère. Ton souffle relève. Ton souffle, Seigneur, redresse. Ton souffle, Seigneur, fait du bien. Que ton souffle souffle maintenant sur une personne. Je répète encore, que ton souffle souffle maintenant sur une personne, Seigneur. Une personne qui attend de toi. Une personne qui soupire après toi. Une personne qui est désespérée, Seigneur. Que maintenant, Seigneur, où je suis en train de prier, Seigneur, je déclare et je prophétise que ton souffle souffle dans la vie d'une personne maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, Seigneur, est possible à toi. Rien n'est étonnant devant toi. Quel est le diagnostic qu'on a fait pour toi? Quel est le diagnostic qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Rien n'est étonnant devant l'Éternel. L'homme a vu une maladie, mais l'Éternel voit une guérison. L'homme a vu une déformation, mais le Seigneur Jésus voit que
C'est normal. Allez, ton organe est complètement normal car il guérit. Je vous assure, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui vient redresser quand tu es courbé. Il est le Dieu qui vient relever quand tu es par terre. Il est le Dieu qui vient, qui vient en fait redresser ce qui est courbé. Alléluia. Il est celui qui vient arrêter la perte, l'hémorragie qui est dans ta vie. Ton hémorragie peut être une maladie quelconque. Ton hémorragie aussi peut être une pauvreté chronique. Tu es toujours pauvre, tu as toujours des problèmes d'argent. À chaque fois que tu reçois ton argent, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient en fait souffler. Il y a comme un aspirateur qui vient prendre ton argent, il ne te reste rien. Je vous assure que ce n'est pas normal, c'est un esprit de pauvreté. Mais ton Dieu est le Dieu de la provision, le Dieu de la providence. Et il veut que tu puisses bénéficier de la provision. Il veut que tu puisses bénéficier de la provision. Alléluia. Il n'est pas le Dieu qui est content de ton état. Il n'est pas le Dieu qui est content du fait que à chaque fois ton argent est comme aspiré par quelque chose. Alléluia. Aspiré par quelque chose, par les terreurs de la nuit, par les terroristes de la nuit. Non, ton Dieu veut que tu puisses vivre une provision divine. Ton Dieu veut que tu puisses vivre une provision financière. Il ne veut pas que tu souffres. En fait, il ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Alléluia. Nous allons prier pour la provision financière. Saint-Esprit, merci. Nous allons prier pour la provision financière. Il est le Dieu qui fait des miracles extraordinaires. Alors qu'un jour, je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas comment faire pour l'anniversaire de ma fille. J'avais tout acheté, il manquait le gâteau. J'étais restée dans la voiture comme ça, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus l'argent du gâteau. Je vous assure, une inspiration me dit, va voir ton compte. Ton compte épargne. Je ne m'occupais même pas de ce compte-là. Je suis partie voir mon compte épargne. Cette nuit-là, il était exactement 23h. Et je vous assure que sur mon compte épargne, j'avais trouvé 3800 euros. Alléluia, 3800 euros. Qui était là depuis 15 jours, je n'étais même pas au courant. Bien-aimé, il est celui qui donne la provision financière. Si à chaque fois tu tombes toujours dans la pauvreté, si à chaque fois tu tombes toujours dans des problèmes financiers, l'ennemi veut te garder dans l'oppression. Il veut te garder dans les soucis. Comme ça, tu ne vas pas t'occuper de Dieu. Tu vas t'occuper plus des choses de la terre. Il veut te garder dans l'oppression, l'oppression du manque. Il veut te garder dans la dépendance du manque. En fait, tu ne vis pas. Il veut faire en sorte que tu puisses survivre. Survivre, ce n'est pas vivre. Alléluia. Tu dois vivre. Il a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Alléluia. Il te bénit dans ce siècle présent et ensuite pour la vie éternelle. Alléluia. Prions pour la provision financière. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant. Je prie pour les finances d'une personne, Seigneur. Je prie pour les finances d'une personne qui travaille mais qui ne touche pas son argent. Il travaille à chaque fois, il fait des dépenses qu'il ne comprend pas, il ne lui reste rien. À chaque fois qu'il touche son argent, Seigneur, il y a toujours une situation qui arrive pour qu'il puisse dépenser. À chaque fois qu'il touche son argent, il y a toujours quelque chose qui arrive ou en Afrique pour qu'il puisse dépenser. La seule fois où il a eu beaucoup d'argent, il y a une situation qui arrivait, il a perdu presque la moitié en 3 jours. Seigneur, je te prie, Seigneur, de pouvoir étendre ta main, car tu es le Dieu de la provision. Tu es le Dieu de la providence. Tu es le Dieu, Seigneur, qui donne en abondance. Tu es le Dieu qui dit que, Seigneur, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ Jésus. En Christ, nous puisons tous les trésors, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir les greniers d'une personne, de bénir le compte bancaire d'une personne, de bénir le travail d'une personne, afin que sa joie soit parfaite. Seigneur, tu as dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il y a une personne, Seigneur, qui soupire après toi. Il est là. Sa joie n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses finances, Seigneur, le pressent. Il est tiraillé de partout à cause des finances. À chaque fois qu'il regarde son compte bancaire, il est tout triste. À chaque fois qu'il regarde son compte bancaire, il pleure. À chaque fois qu'il va à la banque, Seigneur, il pleure. Seigneur, je te prie d'étendre ta main. Fais un miracle, Seigneur, dans la vie d'une personne maintenant. Moi qui ai vécu, Seigneur, un miracle financier, tu es capable de le faire. Seigneur, tu es capable. Tu n'es pas un Dieu limité. Tu n'es pas un Dieu limité. Nous refusons de te limiter ce soir. Tu es un Dieu illimité. Seigneur, je te prie, s'il y a une personne qui a besoin, Seigneur, des finances, que tu puisses la bénir maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a une personne qui a besoin de finances, que tu puisses la bénir maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il est en train de me dire une chose, que la foi, tout dépend de votre foi. Tout dépend de la manière dont vous allez recevoir cette parole. Si tu la reçois juste comme une parole que quelqu'un est en train de te dire, elle ne fera rien. Mais si tu la reçois comme une parole venant du Père,
et que cette parole est véritablement vie, elle va s'incarner et elle va se matérialiser dans ta vie. Alléluia. La foi, il a juste besoin de foi. La parole vient, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. La parole sort aujourd'hui, mais tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir, tu dois avoir la foi. Si tu reçois par la foi, je t'assure que tu verras les miracles. Ce jour-là, comme moi j'avais prié, j'avais la foi que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Et il l'avait fait pour moi. Il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire pour toi. Il veut te faire du bien ce soir. Amen. Seigneur, que la provision financière soit dans la vie d'une personne. Je déclare maintenant et je prophétise, Seigneur, la provision dans tous les domaines. La provision, Seigneur, dans les relations. Seigneur, que tu puisses pourvoir aux bonnes relations dans la vie d'une personne. Oui, il y a aussi la provision, la provision relationnelle, la provision des relations. Vous savez, Jonathan a été une provision pour David. Alléluia. Jonathan a été une provision pour David. Les 12 disciples ont été une provision, mais moins Judas. Alléluia. Les 11 ont été une provision pour Jésus. Ils ont travaillé avec lui. Ils ont été avec lui pour pouvoir l'aider à faire ministère. Alléluia. La provision relationnelle existe. Alléluia. Je prie maintenant que les mauvaises relations s'éloignent de vous au nom puissant de Jésus. Car il y a aussi les mauvaises relations qui viennent, non pas pour vous pousser vers l'avant, mais pour vous détruire. Alléluia. Pour vous détruire. Alléluia. Je prie que toute mauvaise relation qui est dans votre vie puisse s'éloigner dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel mette loin de vous les mauvaises relations afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Alléluia. Souvenez-vous d'Abraham qui avait emmené son neveu Lot. Mais à un moment donné, il devait se séparer. Pourquoi? Pour que Abraham puisse regarder maintenant le pays là où il devait aller. Alléluia. À un moment donné, que l'Éternel puisse couper les mauvaises relations, les mauvaises compagnies qui viennent pour empêcher votre bénédiction. Alléluia. Qu'il soit retranché. Mais je prie que l'Éternel vous ouvre les yeux sur les bonnes relations, que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les bonnes provisions relationnelles, les bonnes personnes qui vont vous aider à entrer dans votre destinée, les bonnes personnes qui vont vous aider à vous déployer, les bonnes personnes qui vont vous aider à vous étirer, les bonnes personnes qui vont vous aider à vous propulser. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent dans votre vie qui sont là pour vous, en fait pour vous éteindre. Mais il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans votre vie comme des Jonathan, ils vous propulsent. Alléluia. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans votre vie, ils viennent vous propulser. Amen. Que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les bonnes personnes, qui est aussi une provision relationnelle, une provision dans les relations. Alléluia. Une provision. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de prier aussi pour les familles. Il y a des familles disloquées. Toi, tu vas à l'église. Tu es à l'église. Tu es chrétien, mais ta famille, vous ne vous entendez pas. Bien-aimé, tu vas prier aujourd'hui pour que le Seigneur puisse remettre de l'harmonie dans ta famille. L'harmonie avec ton mari, l'harmonie avec tes enfants, l'harmonie avec ta famille dans le sens large du terme. Prions pour l'harmonie dans notre famille, dans nos familles. Prions pour l'harmonie dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions, est-ce que là où tu es, tu peux prier? Alléluia. Seigneur, nous prions pour nos familles. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, oh mon Dieu, oui, encore étendre ta main dans les relations. Seigneur, que nous ne puissions pas avoir, Seigneur, des familles divisées. Que nos familles ne soient pas divisées, Seigneur, car tu dis, Seigneur, un royaume divisé ne peut pas combattre. Seigneur, qu'il y ait l'unité dans nos familles. Mets l'unité dans la famille d'une personne. Là où le diable est venu pour détruire, là où le diable est venu pour égorger, là où le diable est venu pour détruire les relations. Seigneur, je te prie que tu puisses remettre l'harmonie, Seigneur. Que tu puisses remettre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'entente dans le nom de Jésus. Seigneur, là où les sœurs ne s'entendent plus, là où les frères ne s'entendent plus, Seigneur, que tu puisses étendre ta main afin que, Seigneur, l'entente puisse revenir et l'harmonie reprendre. Que l'harmonie, Seigneur, revienne dans cette famille, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare l'harmonie dans la vie d'une personne, l'harmonie familiale, dans la vie d'une personne. Là où, Seigneur, une femme se retrouve seule avec ses enfants, une femme se retrouve seule, Seigneur, avec les enfants, le mari est parti. Je te prie, Seigneur, que le mari puisse revenir et que l'harmonie puisse revenir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que l'harmonie puisse revenir. Que l'harmonie puisse revenir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'harmonie puisse revenir dans une famille. Que l'harmonie puisse revenir, Seigneur, mon Dieu, dans un couple. Que l'harmonie puisse revenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi et étends ta main. Seigneur, je refuse de te limiter. Je sais que tu es un Dieu éternel, un Dieu illimité, Seigneur. Je ne regarde pas l'écran. Je ne regarde pas, Seigneur, ce réseau social, mais je sais une chose, que
ta main est aussi longue, Seigneur, pour toucher une personne maintenant dans le nom de Jésus. Si c'est pour toi, tu dis juste, je reçois au nom de Jésus. Que, Seigneur, tu touches une personne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais un miracle, Seigneur, afin que les relations puissent revenir au beau fixe dans le nom de Jésus. Car le diable, Seigneur, est celui qui vient pour détruire, pour égorger, afin que, Seigneur, les familles ne puissent pas vivre l'harmonie, afin que les familles ne puissent pas vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la gloire familiale, afin qu'ils ne puissent pas vivre, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, l'épanouissement familial. Seigneur, étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant lui demander. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé, au-delà de toute chose que tu peux demander, mais il y a une chose que tu dois demander au Seigneur, la faim et la soif de lui. La faim et la soif de lui. La faim et la soif de lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai faim de ta justice. J'ai soif de ta justice. En fait, alléluia, la justice, c'est le Saint-Esprit. Tu demandes, Seigneur, j'ai faim et soif du Saint-Esprit. Saint-Esprit, revêt-moi. Revêt-moi. Ne me revêt pas seulement, mais sois aussi en moi et sois aussi sur moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. 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 Souffle sur ma vie, Saint-Esprit. Allez, embrasse mon cœur. Dis-lui, Saint-Esprit, je soupire après toi. J'ai faim et soif de toi. J'ai faim et soif de toi. Alléluia. Tu dis, Saint-Esprit, viens. Viens. Je veux connaître la volonté. Tu dis, viens, Saint-Esprit. Alléluia. Tu dis, viens. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'invitons. Dis, je t'invite. Je t'invite dans ma vie, remplis-moi, revêt-moi de ta sainte présence. Je vous assure, mieux vaut la présence du Saint-Esprit qu'une autre présence. Mieux vaut la présence du Saint-Esprit. Cette présence vous donne, en fait, vous donne la joie du Saint-Esprit. Elle vous donne la paix, elle vous donne la patience, elle vous donne l'amour. Même quand on vous fait du mal, vous aurez du mal à rendre le mal. Parce que ce n'est plus vous, c'est le Saint-Esprit qui fait en vous. C'est lui qui fait en vous le vouloir et le faire. Même quand on vous dénigre même devant les hommes, vous n'aurez pas la haine en fait, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, j'ai faim et soif de toi. 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 Alléluia. J'ai faim et soif de toi. Alléluia. J'ai faim et soif de toi. J'ai faim et soif de la justice pour que tu puisses me rassasier. Que tu puisses me rassasier. Alléluia. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est formidable, je vous assure. C'est l'ami par excellence. Alléluia. L'ami par excellence. Mettez le Saint-Esprit avant toute chose. Qu'il soit votre conseiller, qu'il soit votre confident, qu'il soit votre ami, qu'il soit votre frère, votre tout. Alléluia. Votre meilleur ami. Alléluia. Votre trésor. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui, j'ai soif de toi. J'ai soif de ton réveil. Alléluia. Viens secouer mon esprit. Là où je m'endors spirituellement, viens secouer mon esprit. Viens secouer mon esprit. Bouscule-moi, Saint-Esprit, pour que je puisse te connaître davantage. Que je puisse soupirer après toi. Alléluia. Que je ne puisse pas seulement courir derrière ce que tu donnes, mais que je puisse courir derrière toi. Que je puisse soupirer après toi comme la biche soupire près des cours d'eau. Que je ne puisse pas seulement aimer ce que toi tu donnes, mais que je puisse te chercher toi, ta personne. Alléluia. Dis-lui, je t'invite, Saint-Esprit. Je t'invite, Saint-Esprit. Je t'invite, Saint-Esprit. Alléluia. Excusez-moi. Je t'invite, Saint-Esprit. Je t'invite, Saint-Esprit. Alléluia. Je t'invite, Saint-Esprit. Alléluia. Agis dans ma vie. Agis avec puissance. Agis avec puissance. Alléluia. Oui, merci. Dis merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Car toi, tu nous fais du bien. Tu nous fais assurément du bien. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qu'il vienne dans ta vie. Qu'il vienne dans ta maison. Qu'il vienne s'installer en toi. Qu'il vienne s'installer dans ta pensée. Que le Saint-Esprit puisse être celui qui va te conduire et te guider. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse être celui qui va te conduire. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit devant toi, qu'il soit derrière toi, qu'il soit à côté de toi et qu'il soit en toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne trahit jamais. Le Saint-Esprit, il ne déçoit jamais. Quand tu es avec lui, tu peux dormir tranquille car il te fera toujours du bien. Alléluia. Il te fera toujours du bien. Merci Seigneur.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit car nous avons soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur soit béni. Tu vas juste lui dire merci. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Dis-lui juste merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je vous assure qu'il a fait des grandes choses. Je vous assure qu'il nous a fait du bien. Dis-lui juste merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour les bonnes choses que tu nous as données, car ta présence est toujours bénéfique. Merci Seigneur, merci pour le bénéfice que nous avons, Seigneur, bénéficié dans ta présence ce soir. Je vous assure, c'est au-delà de moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le réseau social, mais c'est une histoire entre vous et le Seigneur. C'est une histoire entre vous et le Saint-Esprit. Alléluia, et le Saint-Esprit. Dis-lui juste merci. Merci Seigneur, merci car mieux vaut être dans ta présence que d'être mis ailleurs, Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci. Mieux vaut Seigneur se plier, Seigneur, s'asseoir à tes pieds que d'être confortablement assis devant un match de football. Mieux vaut, Seigneur, être assis à tes pieds que d'être confortablement assis devant un film. Seigneur, merci, car ta présence nous est bénéfique. Ta présence nous a fait du bien. Je crois qu'une personne a été bénie ce soir. Merci, Saint-Esprit, car tu as conduit ces moments selon toi. Merci, car tu as conduit ces moments selon que toi, tu le voulais. Je te bénis et je te loue, Seigneur. Bénis chaque personne qui est restée pendant ce temps de prière jusqu'à la fin. Seigneur, que tu puisses leur faire du bien. Merci pour les miracles que tu as fait dans la vie d'une personne maintenant. Merci Seigneur, mon Dieu, pour les faveurs que tu as ouvertes dans la vie d'une personne. Merci pour les portes que tu as ouvertes qui étaient fermées dans la vie d'une personne maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car les ordonnances dans les actes condamnés une personne maintenant ont été déchirées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car nous sommes plus que vainqueurs en toi. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Oui Seigneur, merci, car tu nous demandes juste d'avoir la foi. Il nous demande juste d'avoir la foi. Et la foi, sache qu'il est le Dieu omniprésent. Omniprésent, c'est-à-dire que là où tu es, il est avec toi. C'est-à-dire que là, quand tu as prié là, il est aussi avec toi. Alléluia, il est avec toi. Et la foi que toutes les requêtes que tu as faites ce soir, il t'a écouté. Et la foi que toutes les requêtes qui sont montées vers lui, il l'a écouté. Alléluia, il a écouté. Je vous inviterai, pour ceux qui seront matinales, à nous rejoindre à la prière à 4h30 du matin. Il y a la ligne de prière qu'on appelle tour de prière semeur. Vous rentrez dans cette ligne à 4h30 du matin. Nous avons prière et nous passons des temps vraiment formidables dans la gloire de Dieu. Alléluia, dans la présence de Dieu. Vous allez voir, c'est là, voilà, c'est là. Vous voyez, prière à 4h30, à 4h30 et à 17h30. Vous appelez juste au 09 72 61 93 80. Le code, c'est 1077. Code d'accès, 1077. Vous faites ce code cette nuit à 4h30 du matin. Nous serons là. On est vraiment nombreux et nous prions, nous louons notre Dieu. Alléluia, nous louons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et aussi, à 17h30, nous avons prière pour finir à 18h quand nous ouvrons notre jeûne. Pour les prières, toutes les prières sont sur la chaîne YouTube, Tour de prière semeur. Vous tapez juste, vous ouvrez YouTube, vous tapez Tour de prière semeur. Vous tombez sur la chaîne YouTube et vous avez toutes sortes de prières. Vous pouvez vous entretenir avec ces prières. Quand vous marchez, quand vous allez au travail, vous mettez les prières et vous priez aussi ensemble avec nous. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous puissions prier sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Veillez et priez. Nous devons donc prier à chaque instant. La tour de prière se meurt. Cette chaîne YouTube est vraiment là pour ça. Vous trouvez vraiment plus de 60 vidéos, je pense, plus de 50 vidéos de prière. Vraiment, ça va vous entretenir. Si vous êtes faible dans la prière, cette chaîne-là, Tour de prière semeur, elle est là pour vous. Elle va vous aider à pouvoir vous muscler dans la prière, à devenir costaud dans la prière. Alléluia. Vous allez devenir des géants de la prière. Vous allez devenir des généraux. Vous n'allez pas vous fatiguer. Parce que quand on prie là-bas, on ne s'arrête pas. Quand c'est parti, c'est parti. Et je vous assure que c'est vraiment puissant. Si vous êtes faible, vous dites, je n'arrive pas à prier, je veux bien, mais je n'arrive pas. En tout cas, tu es la bonne personne à venir nous rejoindre dans la tour de prière semeur. Je vous assure qu'on passe des temps formidables, formidables, formidables. Alléluia, nous passons des temps vraiment formidables. Alors, j'aimerais juste
demander s'il y a une personne qui a été bénie. Tu dis juste béni, 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 béni. Et cela va aussi nous encourager, m'encourager à revenir pour la prochaine fois. Dites juste béni, 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 béni. Si vous avez été béni, alléluia. Juste béni, 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 béni. Comme ça, je vois à peu près qui était avec moi en ligne jusqu'à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, je salue mon frère Eddy. Sois béni, frère Eddy. On est ensemble. Alléluia. Je salue ma soeur Luna. Sois béni. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez été béni, dites juste béni, 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 béni. Alors, Nathalie est en Belgique. Pour Nathalie qui est en Belgique, tu fais le même numéro. Tu fais juste 00339, c'est ça. 00339 72 61 93 80 et le code 1077. Tu mets juste le code de la France, 0033, et tu enlèves le premier 0, tu mets 9. 00339 72, ainsi de suite. Voilà. Merci, merci. Si vous avez été béni, béni. Ah, mon frère Eddy, béni, sois vraiment béni. Ma soeur Claire, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Kadidia, sois béni, sois béni. Alléluia. Maman Albertine, sois béni. Amen, amen. Et vraiment, j'espère que vous allez partager la vidéo, surtout la partager si elle vous a béni. Partagez-la avec une personne, vous serez aussi béni. Partagez-la avec une personne. Il n'y a pas d'offrande hein, ici, mais la seule offrande que vous pouvez donner, c'est le partage. Quand tu partages, c'est une offrande. Donc, je pense que nous avons été assez nombreux. Les partages doivent quand même exploser. Alléluia. Les partages doivent exploser. Donc, tu partages, juste tu partages, tu partages, tu partages. C'est comme si tu donnais une offrande au Seigneur. Et le Seigneur te bénira aussi. Alléluia. Oh, Christ, Christ la grâce, sois béni. Amen. Sois béni, sois béni. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin et je vais vous laisser avec ma régie. Moi, toute seule avec ma régie, c'est pas évident. Je vais vous laisser donc et on se retrouve donc à 4h30 du matin ce soir. Amen.